Il est pas trop joli ce petit lever de soleil. Là-bas, regardez, c'est tout rose. Au fond, là, les montagnes. Bon, bah, il neige pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grand ciel bleu, ça va faire du bien. C'est encore tout gelé dehors. Je crois qu'il fait très très froid. Mais en tout cas, c'est cool. Pouvoir revoir du beau ciel bleu. Il fait moins 16 degrés dehors. Moins 16. 16. Et on va bientôt passer la barre des 200 000. Soit aujourd'hui, soit demain, je pense. Mais c'est un truc de dingue. Mais moins 16. What the... Hein? Ouf, allez, hein. On va aller prendre notre petit déjeuner. Il y a plein de choses, hein. Ah, il y a des petites saucisses. Oh là là. Ouh, ça c'est les petites saucisses. Ah oui, ça va vouloir, Lana. Tu veux une gaufre? Oui, bah on peut te la faire. Il y a la machine à gaufres. Est-ce que tu veux des petits morceaux de banane coupés dessus? Oh, c'est des mini gaufres, regarde. Il y a beaucoup de noms. Est-ce que tu veux des morceaux? Je te fais une mini gaufre. Hein? Ouais, je fais. C'est la première fois qu'on arrive à prendre le petit déjeuner tous ensemble, au même endroit. Comme Virginie. Allez, mange. Alors, bonjour à tous, c'est parti pour le 9e vlog au Nouveau-Mexique. Alors, nous sommes le 29 décembre, il fait super beau dehors mais super froid comme je le disais. Il est 9h10 du matin, on va se mettre en route en direction de Four Corners. Alors Four Corners c'est un endroit aux États-Unis, c'est le seul qui est comme ça, où il y a quatre états, qui se rejoignent au sol, au même endroit. Un seul point, donc en fait en faisant un pas on peut changer d'état. Donc on a l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Colorado. Donc voilà, on va aller là, il y a 1 h et quelques de route. Les routes sont, ont l'air pas trop mal dans les routes principales. La route là-bas a l'air bien. La route de l'hôtel, tout ça, on a l'air encore assez gelé. Donc je pense que ça va être, surtout être galère de sortir de l'hôtel, mais après ça ira. Donc voilà, on vous embarque, on va se mettre en route. Lana s'est fait un petit lit avec les restes du canapé. Soit, on va embarquer nos affaires d'hiver. Non, ici, là. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'ont dit « Oh, vous avez été un peu surpris par les températures et tout. » Alors, on s'attendait à avoir de la neige. Hein. Le Nouveau-Mexique, on savait très bien que c'était un état où l'hiver, c'était un vrai hiver où il pouvait neiger. Donc, c'est pour ça qu'on a, bah, qu'on est bien équipé. À part les chaussures de neige de Lana que j'hésitais à prendre et que j'aurais dû. Mais le reste, voilà, on avait pris le manteau. J'ai acheté son manteau rose. Là, je l'ai acheté exprès. Enfin, non, on savait que le Nouveau-Mexique allait être froid. Voilà, parce que c'est vrai que beaucoup pensent que le Nouveau-Mexique c'est que des déserts et de la chaleur, mais non, non, on savait que c'était en altitude. Moi j'avais regardé des reportages là-dessus, donc je le savais. Mais voilà, bon, là effectivement on est en tempête hivernale, donc il fait, je pense, plus froid que d'habitude. Ultra froid, j'ai appris Nico. Mais oui, on savait que, voilà, hein, c'est pour ça que j'avais acheté le pull super moumouté Nico, mais bon, il a pas pris de manteau en plus, donc du coup il a un petit peu froid, mais bref, on y va, c'est parti. Je l'ai. Alors les bouteilles d'eau laissées dans la voiture ont eu des petits soucis. Voilà, forcément moins 16. L'autre à côté de Virginie. Alors attention, système D. Sur le côté de Virginie, sur le côté de Virginie, la ouais. Bouteille. Là, elle a encore un petit peu de temps. Ouais. Voilà, on les réchauffe comme on peut. Oh. Hein, parce que bon, à un moment, va falloir qu'on boive, nous. Voilà, voilà. Doucement, hein, t'assommes pas. Alors là-bas au fond, là, l'espèce de gros rocher, c'est Shiprock. On ira tout à l'heure. Super beau. Avec cette neige, là, c'est trop joli. Et de l'autre côté, c'est tout aussi joli. Avec les montagnes au fond, là. Alors pour aller au Four Corners, on va passer un tout petit peu dans l'Arizona. Parce que la route, elle passe en Arizona. On va retourner au New Mexico. Et on va aller au Four Corners. Trop beau. Et les montagnes, là, du coup, c'est en Arizona. Au Nouveau-Mexique. Donc voilà, là, on est le petit point bleu. On va passer là 2 secondes en Arizona. On va faire le petit bout de route et on va aller ici. Donc en fait, là, on va retourner un tout petit peu au Nouveau-Mexique. Bon, enfin, en fait, je sais même pas. Oui, il y a une petite route, ouais, c'est ça. On va retourner un tout petit peu au Nouveau-Mexique. Donc on va avoir certainement un panneau Welcome to New Mexico. Voilà, on va aller au milieu des 4 états.
Alors on est arrivé, c'est 5$ par personne et les enfants de 6 ans ou moins ne payent pas. Donc Lana ne paye pas. Nous on paye 5$ par personne. On est arrivé. C'est définitivement trop magnifique. Et voilà, c'est juste ça. Petite plaque au sol, mais voilà, donc on fait tous notre tour, notre petite queue pour faire la photo, forcément. Et voilà, c'est juste là. Les petits sièges, si on veut regarder. Ah, c'est énorme. C'est bien qu'ils aient laissé la neige. Ça représente bien notre voyage. Ah, trop fort. Tintin. Colorado. New Mexico. Utah. Arizona. C'est trop fort. Trop fort. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette petite porte? Qu'est-ce que c'est? Oh, bah c'est l'immensité. Ah bah oui. Trop stylé. Virginie s'est trouvée une nouvelle passion. Prendre en photo les touristes. Demande un type. C'est bon, on te libère. Le temps qu'on faisait la queue pour avoir notre photo, Virginie, elle a fait les photos de tout le monde. Et la queue, elle est assez longue. Ça fait donne ça. Allez, on bouge. Bon, mais c'était bien sympathique comme endroit. Bon, en fait, c'est un spot à photo, quoi. Allez, qu'est-ce que tu fais? Le coin, il est super sympa. Ça, c'est Nico, là-bas, qui marche. Et cela sera notre petit spot pique-nique du midi. C'est pas tous les jours qu'on mange dans de telles conditions, hein. Il n'y a personne en plus. Tranquille. Merci. Toute cette neige que ça déplace. Ouais, on dirait des paillettes. Regarde par terre comme ça brille. Pique-nique, neige, acte 2. Ça va y prendre goût, hein. Ah ben, c'est pas mal, hein. Ça fait glaciaire naturel. Ouais. Et pire comme condition, hein, pour faire un petit pique-nique. Donc la table rouge, ça fait super beau. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette voiture? Il essaye de deviner la route. Ah bah là, avance! Il essaye de deviner la route, mais il y a des buissons. Si vous avez besoin qu'on transforme votre véhicule normal en 4x4, vous nous demandez. On va rester bloqué, j'en suis sûre, un moment. Allez, c'est bon, Jérôme, vas-y. Ok, how about? Let's play the game when you actually try to put it everything. Oh my god. No. You went like. Je suis chaud. C'est bon, vas-y. Yeah. Elle essaie déjà de rester dans les traces, c'est assez galère. Wait, no, vous savez qu'après, il faut revenir en arrière, hein. Faut refaire ça. Yeah. En même temps, si on l'a fait une fois, on le fait une deux fois, non? Oui. Même si ce sera en montée, hein. Ce sera pas en descente. Hein. Allez, on est à plat. Bon, alors on s'est garé avant d'être complètement bloqué avec la voiture pas 4x4. Déjà, ouais, c'est vrai que c'est tout petit pour des empreintes de pieds d'humains. Je sais pas du tout ce que c'est. Bref, on a une jolie vue sur Chiproc. On va faire une petite promenade. Il fait chaud là, ça tape sur le pantalon. Regarde, c'est rond, c'est les chevaux. Ouais, je sais pas ce que c'est. Enfin bon, on va se promener. C'est parti.
Alors il est 3h35, on vient de finir notre petite promenade vivifiante en direction de Chypre. Mais ça va pas, non? Ma vitre! On va lancer une boule de glace dans ma vitre. Bref, ça c'est fait. On va retourner sur le chemin, ma foi, chaotique. Et je sais plus ce qu'on va faire. Soit on rentre à l'hôtel, on profite de l'hôtel, de la piscine, soit on va ailleurs. On va faire le point. Je vous tiens au courant, comme d'hab. Ah, ça fait du bien. Bien marcher sous le soleil. Il fait moins 7, mais il fait super bon. Enfin, franchement, comme c'est un air sec, c'est ce que disait Virginie, c'est comme au Québec, comme c'est un air sec, ça passe. En plus, il fait un grand soleil, ça tape. C'est très agréable. C'est bien plus agréable que hier. Si vous avez pas vu le vlog hier, c'était un petit peu plus chaotique comme condition. Mais là, c'est vraiment agréable. Allez, je vous reprends plus tard. On se fait des copains. Qui si c'est? Il est là, qui s'y nous fait? Qui si c'est, Zizien? Qui si c'est, ce bébé? Allô? T'as vu Lana? Qui si c'est? Ouais, mon cœur. Ah oh, bah oui, nous, hein. Oh, j'aime trop le chien. Coucou. Ah oh, bah oui. Ah oh, bah oui. Regarde mon nini. Allô, mon zizi, ce bébé. Oh oui, oh oui. Non, c'est bon, Lana, on y va. Sur la route du retour de l'hôtel, à l'hôtel, là, nous avons vu une petite piste pour faire de la luge. Et comme nous avons une luge, eh ben allons en profiter. Regardez avec Chyproc au fond là-bas. Trop bien, trop bien. Ça caille. Ah oui, un petit peu, oui. Un petit peu frisquouille. Ouh, Didi. Tout le monde est là? On a toute la bande. C'est bon. Allez, go. Et allez. Un petit souci? On va peut-être la casser, hein. Ça va peut-être la casser, hein. Faut se pencher en arrière, hein. Je m'en vais rejoindre Nico et Lana qui sont déjà partis. Moi j'ai pris le temps de poster 3 photos sur Instagram avant d'y aller à la piscine. Voilà, ça devient un petit rituel. Après avoir passé la journée à nous peler, on va aller dans le jacuzzi. Moi je vais même pas aller dans la piscine, je vais aller direct au jacuzzi. Parce que franchement, j'ai eu trop froid aujourd'hui. Enfin voilà. Sinon, voici mon petit feed d'Instagram, Nici là, sur Instagram. Qui est trop beau, comme à chaque fois que je pars en voyage, voilà. Bon, en temps normal, il ressemble à rien, voilà, à rien. Mais là, voilà, dès que je suis en voyage, j'essaie de faire un feed soigné, c'est plutôt pas mal. Je viens de publier ces 3 photos-là qu'on vient de faire. Donc là, hop, pendant que Lana regardait les enfants descendre de la luge, les garçons, Virginie et moi, et le Four Corners. Et je vais sûrement mettre quelques petites stories un petit peu plus tard. Voilà, c'est parti. On a la piscine à nous tout seuls. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça va pas? On t'a donné du content? Non! Non! Ah 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 ah. Mais ils sont malades! Mais ils sont malades! Ah, ils sont pleins de... complètement fou. Vas-y, va dans le fauteuil toi aussi. Ah, comme à Moscou mon chat, comme à Moscou, à jacuzzi. Ça, ils sont complètement tarés. Et pour Nico, allez, allez. Et pour Nico, allez, allez.
Et pour Nico, allez, 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 allez. Allez mon chat. Allez mon chat. Allez. Ah ouais, bah c'est Clément qui va t'ouvrir. Oui, oui, on t'ouvre, on t'ouvre. Allez bébé. Forme de fou. Nini. Allez, il est 19h, on fait le remake de hier, c'est-à-dire pyjama. Pyjama party, dîner party chez les copains. Vas-y, tape. C'est quoi cette tête? C'est quoi cette position? Bon bah ce soir c'est repas gastronomique. On finit les restes. Il y a les pâtes quand même qui chauffent là-bas. Alors il est 8h30, on vient de revenir dans notre chambre, on a bien mangé, il reste encore plein de bouffe, je sais pas ce qu'on moi va faire. Moi j'ai mangé plein de trucs. Lana, elle a trop bien mangé ce midi, elle a quasiment rien mangé, Mara, elle a mangé comme un ogre. Donc voilà, c'était une bonne... Comme un dinosaure, voilà. C'était une super journée aujourd'hui, bien ensoleillée, avec des jolies balades, on a vu le Four Corners qu'on voulait voir. On a fait une jolie balade au Chiproc, c'était vraiment super bien, on a fait un peu de luche, enfin... Franchement, c'était une super journée au Nouveau-Mexique. Les routes sont bien mieux. C'était trop cool. Et la piscine, c'était la piscine. J'avais oublié la piscine. J'ai encore fait de la conduite sur neige. Mais bon, ça s'est très bien passé, ma foi. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Demain, on retourne à Albuquerque. Parce que après demain, on a le vol à 5h du matin. Ça va être génial. Que je vloguerai certainement pas parce que je. À part vous montrer le retour à la maison, ça servira pas à grand chose. Donc voilà, là c'est l'avant-dernier vlog et demain c'est le dernier vlog. On va aller à Albuquerque, toujours autant de mal à prononcer. On va certainement prendre le déjeuner au Diner 66 qui est un resto typique de la route 66 et retourner dans le centre-ville qu'on avait fait le 24 décembre, mais pour voir le centre-ville version jour, hein, parce qu'on l'a vu que de nuit. Et donc voilà, hein, une bonne journée demain avec beaucoup de... Hein. Oui, viens conclure avec moi. Donc voilà, donc sur ce, on espère que le vlog vous a... À deux. Ubi. Tu veux montrer aux gens où est-ce que tu vas dormir? Ah ouais. Alors ça sert à quoi de louer une chambre d'hôtel avec un canapé qui fait lit si l'enfant se refait un petit lit à côté pour dormir dedans? Une vraie aventurière. Elle va même pas dormir dans un lit, elle dort sur les coussins. Bah bravo. Allez, ciao.